de plus naturel au pays des cigales que d'apprécier un vin des côtes du Rhône, rosé évidemment. Ici le domaine Benedetti, un 2010 produit près de Châteauneuf-du-Pape. C'est un domaine qui est situé à Châteauneuf-du-Pape, qui travaille en bio et qui propose ici un vin issu de deux cépages, majoritairement le Grenache, le cépage de Châteauneuf, et le Cinsault, qui vient apporter sa délicatesse au niveau du toucher. Ici ce sont donc des pressurages directs, on voit une robe d'une couleur saumonée, assez claire, légèrement cuivrée. Vous voyez, donc on a une très jolie robe, brillante. Très joli nez, hein, très marqué par le grenache, avec des arômes de fruits rouges, avec des arômes légèrement musqués. C'est floral également. Et légèrement mielé. Là, on a une très jolie complexité, hein, qui rappelle même certains vins blancs parfois. Ah, c'est très bon en bouche, fraîcheur, on a un joli gras, c'est mielé en fin de bouche, c'est long, hein, on sent le grenache et son côté confit, plaisant, charmeur. Très joli vin rosé. Ça, je vous conseille ça donc sur une bonne grillade, tranquillement, attablé, avec des amis autour d'une table, en plein soleil.